Et salut tout le monde, c'est Foudrage. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Space Engineer. Alors pour cet épisode là on va voir pour commencer peut-être à faire le vaisseau meilleur. On va voir aussi pour modifier un petit peu la foreuse. Alors pas la modifier mais rajouter des choses que j'aurais besoin. Car j'ai eu quelques commentaires pour améliorer tout ça. Donc la foreuse, il nous faudrait un capteur de minerai, il me faudrait des projecteurs. Et j'ai reçu aussi un message pour les LCD. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai testé juste avant de commencer l'enregistrement. Voilà, c'est celui-ci. Et en fait, on m'a dit de d'écrire quelque chose sur costume data. Et c'est ce que j'ai fait. Alors je suis pas sûr si je l'ai vraiment bien fait ou quoi, hein. Mais je l'ai noté ici et on m'avait dit de le mettre dans costume data. Le problème c'est que voilà, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait et on peut voir que ça marche pas du tout. Alors je sais pas trop est-ce que c'est moi qui ai mal fait. Sûrement, hein, j'ai peut-être mal compris, mais on m'a dit de le mettre dans costume data. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Titre public, là, il n'y a rien. Voilà, sinon, je vois pas trop. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Donc, pour l'instant, je le laisse comme ça. Moi, j'attends de voir qu'est-ce que vous en pensez. Car c'est Aurélia qui me l'a donné. Elle m'a donné la petite commande à mettre. Mais voilà, moi ça marche pas, je sais pas pourquoi. Alors peut-être que ça marche pas sur ce mode-là. Donc je sais pas. Voilà, j'attends de voir ce que tu vas me dire pour savoir si je l'ai fait, je l'ai mal fait ou quoi. Voilà. Donc pour l'instant ça on va laisser tomber. C'était juste voilà pour faire un test. Donc on va commencer par la foreuse. Alors, on va sortir. Je vais sortir par le hangar. Ça change un petit peu. Tac, ok. Ok, alors. Modifier un petit peu le vaisseau mère, si. Le. Pas le vaisseau mère, mais la foreuse plutôt. Alors, il me faudrait un détecteur de minerai. Alors, où je peux le mettre? Bon, déjà, faut déjà que je le trouve. Alors, détecteur de minerai, super. Tac. Alors, je pense qu'on va le mettre dans les coins. C'est bizarre, j'ai le truc qui tourne tout seul. Comment je vais le mettre? On va voir, je pense que je vais directement le mettre dans la coque. Voilà. 5. Voilà, on va le mettre directement dans la coque. Alors, composant de détection. Moteur ordinateur. Composant de détection moteur ordinateur. Ok. Tac. Alors, composant de détection. Bon, déjà, on va prendre l'ordinateur. Composant de détection, je vais en prendre 100. J'avais quelques moteurs, je vais en prendre juste 30. Ouais, non, on va en prendre 50 pour être sûr. Ça, je vais en prendre 200 et le reste en plaque de métal. Voilà. Côté production, ça donne quoi? Ok, je crois que il ne me fait rien. Ok, donc on va aller dire qu'il fasse à fond les plaques d'acier. On en aura besoin.
Alors peut-être pas autant, non, attendez voir. Voilà. On va peut-être pas en faire autant parce que vu que c'est du blindage lourd, il me faudrait aussi des grilles. Et ça c'est du cobalt, ok. Le cobalt on va devoir attendre. Car je crois que les raffineries n'ont pas encore bossé sur le cobalt. Voilà, ok, donc ça c'est bon. Donc plus de projecteurs aussi. Donc les projecteurs. Alors attendez voir. Faudrait que je les trouve. Tac, tac. Une caméra, ouais. J'aurais besoin d'une caméra aussi. Pour voir un petit peu quand je suis dans les grottes. Pour ressortir, parce que par moment j'ai un peu de mal. Voilà. 8. Ouais, j'ai une touche qui me fait tourner l'objet, ce qui est bizarre. Ça doit bugger un petit peu, j'ai l'impression. Tac. Tac. Je vais te mettre. On va t'en mettre beaucoup parce que je veux vraiment bien voir ce que je fais. Alors certes, ça va pas être beau. Ah ouais, mais attendez voir, je crois que ça marcherait pas. Je peux pas le mettre ici, je crois. Ah si, ok, super. Tac, et je vais t'en remettre encore en dessous. Ouais, par contre en dessous ça marcherait pas. Faudrait que j'enlève cela. Cela plutôt, et on les met ici. Tac, voilà. 8. Ok. Alors, ouais, moi je voudrais que pour cet épisode là, on puisse commencer à construire au moins la coque du vaisseau. Ce qui n'est pas vraiment sûr parce que j'ai pas encore les plaques de fer qui a été fait ni les autres machins. Donc, ça va me prendre un certain temps. Alors, des plaques d'intérieur. Des grands tubes et des vitres pare-balles. Plaque d'intérieur, grands tubes et vitres pare-balles. Ouais. Tac, tac. Alors. Tac. Voilà. Alors. Vitres pare-balles. Grands tubes. J'en ai deux à chaque fois. Ça devrait suffire 10. Et plaque d'intérieur. Je pense que ça devrait suffire. Deux vitres par balle, ouais, même les vitres par balle, ça fait beaucoup, mais j'en ai pris beaucoup. Au moins, je devrais en avoir assez pour terminer tout ça. Ah, des plaques d'acier. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait des plaques d'acier. Je croyais que c'est que des plaques d'intérieur. Pas grave. Ah, je t'en prends 200. Voilà, au moins comme ça, je verrai quelque chose quand je suis dans les grottes. Voilà, il s'allume. Tac. Oh, qu'est-ce qu'il me manque? Des grands tubes. Ah, je pensais que 10 aurait suffi, mais non. Tac. Tac. Voilà. Ça, sur le côté, ce que j'en mets, je pense pas, ça devrait suffire. Plus avec les propulseurs, je devrais pouvoir voir quelque chose. Ça devrait, bref, ça devrait, je pense, être bon. Qu'est-ce qu'il m'aurait fallu? Je crois que c'était tout. Ouais, je crois que c'était tout. Ok. Ensuite, donc là, j'ai le grand vaisseau. Donc là, on peut voir qu'il me faut. Plaque d'acier, gris métallique et tout ça. Donc ça va prendre énormément de temps. Et d'ailleurs, c'est même pas ça qu'il faut que je commence en premier. C'est mince. J'ai un petit problème. Je suis sorti du jeu.
Voilà, je vais juste relancer l'enregistrement pour être sûr que ça enregistre bien. Voilà. Alors, donc ouais, il faut en fait que je commence à construire peut-être le vaisseau de construction. Le gros vaisseau de construction, par contre. Voilà. Le vaisseau, c'est vrai qu'il est gros, mais avec une petite soudeuse, ça devrait aussi marcher. Ouais, on va, je vais peut-être utiliser, je vais peut-être utiliser finalement ma foreuse, ma petite foreuse. Donc on décroche. On va peut-être utiliser plutôt ma foreuse pour faire mon vaisseau de, un petit vaisseau de soudeuse. Alors attendez voir. Le problème c'est que les entrées sont pas tout à fait bien. Voilà, j'ai les soudeuses ici. Et en fait, on peut voir ici que. Ouais, et je crois que je peux pas me les connecter en fait. Ça va pas être possible, je pense pas pouvoir les connecter. Si je les connecte comme ça. Non, ouais. Ah, c'est pas la peine. Ouais, ça sera pas la peine. On va plutôt. Alors, ça me fait chier par contre que ça tourne. Je pense que après, je vais devoir relancer le jeu pour comprendre pourquoi que ça tourne. Ok. Ouais, donc faut que quand même que je bosse sur un petit vaisseau sur un petit vaisseau de construction. Alors, donc il me faut un autre projecteur que je vais mettre ici. Tac, on va mettre aussi un petite table de commande. Voilà. Voilà. Est-ce que là je peux. Alors je sais pas si je peux me connecter directement dessus. Ouais, non, il n'y a pas de. Bon, c'est pas grave. Tac. Tac. Voilà. Alors, projecteur. Donc là, le grand projecteur. Tac. Ok. Ouais. Je crois que c'est celui-ci qui me fait les plans. Ok, super. On va lui changer projecteur. Soudeuse. Ouais, on va le laisser comme ça. Donc, plan. Alors. Tac. Il est vraiment, vraiment, vraiment très grand. Ouais, il est vraiment très grand, mais bon. Comme j'ai dit, c'est pas un truc qu'il faut qu'il soit beau. Je m'en fous un petit peu de ça. Tac, alors, maintenant. Projecteur. Ouais, projecteur. Projecteur. Tac. Alors, on va le déplacer un petit peu. Tac. Un petit peu de ce côté. Voilà. Et on va peut-être commencer par construire les propulseurs. Voilà, c'est bon. Ok, bon moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite coupure quand même pour régler le problème de l'objet qui tourne là parce que ça m'énerve. Donc à tout de suite.
Voilà, re tout le monde. Alors, finalement, j'ai pas réglé le problème même en relançant la partie. Alors, j'ai vite fait regarder si c'était pas une touche qui était enfoncée, qui me faisait tourner l'objet ou quoi que ce soit. Et en fait, bah, j'ai rien trouvé. Donc, on va devoir se débrouiller comme ça. Après, c'est pas très grave, mais c'est quand même un petit peu gênant. Alors, encore une autre petite parenthèse que j'ai oublié de dire aussi au début, c'est vous m'aviez parlé d'un jeu Avorion, je crois, ou un truc du genre, je me rappelle plus très bien du nom du jeu. Et ben, je suis allé voir un petit peu ce que c'est comme jeu, et en fait, bah, je le connais. C'est déjà un jeu que j'avais déjà vu. Je l'avais déjà vu. Le problème, c'est que j'ai pas trop accroché avec ce jeu-là. Tout simplement, quand j'avais regardé une vidéo sur YouTube sur ce jeu, la personne qui avait créé donc son vaisseau avait mis des propulseurs et je trouvais qu'avec les propulseurs, j'avais mal aux yeux. Alors, je sais pas si c'était parce que les propulseurs sont trop forts. La lumière des propulseurs en fait sont trop forts. Et moi c'est pour ça que j'ai pas trop accroché sur le jeu. Mais par la suite j'ai regardé donc sur Space sur Steam pardon. J'ai regardé vite fait des vidéos sur le jeu et j'ai remarqué que les lumières des propulseurs ont diminué, je crois. Alors ça pourrait être quand même intéressant. Donc, pour l'instant, je vais pas acheter le jeu parce qu'il est quand même à 17 euros. Mais si jamais le jeu est en réduction, il y a si le jeu est en réduction, eh bien, ouais, je vais peut-être l'acheter et puis on le fera peut-être en let's play. Bon, ça sera pas tout de suite. Ça c'est une chose qui est sûre. Il faut déjà que le jeu soit en réduction. Et après, faudrait voir si j'ai le temps de le faire en let's play. Mais oui, il se peut très bien qu'il sera en let's play. Voilà, donc je vous préviens. Donc voilà. Alors, bon, j'ai plus d'oxygène. Donc on va retourner, juste faire de l'oxygène. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, j'ai un groupe Steam. Alors le groupe Steam, je suis pas trop dessus, car on est pas beaucoup sur la chaîne encore, donc j'y suis pas trop dessus, mais bon tu voilà, ok. Donc je suis pas encore trop dessus sur le groupe Steam. Par contre, j'ai rajouté deux petites choses sur Steam. Par exemple, j'ai mis la liste des jeux où il y aura un let's play dessus. Voilà, si ceux qui sont intéressés pour voir quel let's play il va avoir dans le futur. Alors, j'ai mis pas mal de jeux. Ça va être des jeux. Ça va être des jeux qui vont être en let's play. Mais bon, c'est pareil, pas tout de suite. Ça peut très bien être dans quelques mois, ça peut très bien être dans un an, voilà. Mais ça va être des jeux où j'ai prévu où il y aura des let's play dessus. Donc si ceux qui sont intéressés de savoir qu'est-ce qu'il va avoir comme let's play, bah, n'hésitez pas à aller sur le groupe Steam et à regarder un petit peu bah, quel jeu peut-être que vous connaissez. Ou que vous connaissez pas aussi, hein, n'hésitez donc surtout pas à aller voir et à commenter aussi si jamais vous connaissez certains jeux et si cela vous intéresse. Voilà, et je crois que j'ai remis encore un autre truc. Je sais plus qu'est-ce que j'ai mis d'autre. Mais je vais essayer de regarder quand même un petit peu plus souvent le groupe Steam. Si jamais cela vous intéresse et surtout si vous mettez des commentaires. Parce que j'ai remarqué en fait que si vous mettez des commentaires sur le groupe Steam, moi j'ai aucune notification comme quoi il y a un commentaire dessus.
Donc c'est dommage, j'ai loupé un commentaire d'Aurélia, donc je suis vraiment désolé. J'ai remis un commentaire par la suite quand je l'ai vu, mais je l'ai loupé. Je l'ai loupé, donc c'est un petit peu dommage. Mais voilà, je voulais prévenir. Comme quoi je l'ai vu. Donc voilà. Alors, ok, alors on va voir où ça en est côté production. Ouais, on va regarder plus pour les raffineries. Alors, le platine. Ok, le platine, c'est bon. Là, il bosse sur le silicium. Ok. On va bosser, nous, sur... Bon, en fait, sur la foreuse. Ouais, je vais essayer de l'avancer un maximum. Et après ça, si je peux... J'irai rechercher d'autres ressources avec la foreuse. Enfin, bosser sur la soudeuse. Et après, j'irai chercher des ressources. Parce que j'en aurai besoin. Alors. Composants de réacteur. Moi, c'est plus les composants de propulseur. Voilà. Je vais déjà mettre cela en place. Voilà. Tac. Voilà, quand on aura vraiment ça de près, je pense que ça va être bien et on pourra vraiment construire beaucoup plus de choses très rapidement grâce à celui-ci quand même. Donc là, je mets le plus gros. Ouais, ça c'est juste ça. Tac. Ok, maintenant les composants. Tac, alors les composants. Tac. Celui-ci, j'ai pas pu le faire. Ouais, faudra que je récupère un peu de ressources pour celui-ci quand même. Composants, je pense que j'ai tout mis pour les composants. Voilà. Ok. Tac. Alors. Tac. Je vais en garder un petit peu sur moi. Ça. Alors, il me faut. Peut-être pas autant de grands tubes. Voilà. Je vais prendre ça. Je vais prendre 90. Je crois que c'était 90 pour un propulseur. Alors, au moins pour commencer à celui-là. Ok, c'est parti. Voilà, on va pouvoir terminer ça. Et puis moi. Et puis moi, je pense que je vais pouvoir. Je vais pouvoir après chercher d'autres ressources pour chercher tout ce que j'aurai besoin. Voilà. Car j'ai pas de cobalt. Donc voilà, il m'en faudra. C'est pas ça. Alors, j'avais dit des grands tubes. Alors, un petit peu moins. Je vais t'en enlever 30. Voilà. Je vais prendre ça, ça. Et ça. Et ça. Alors, je pense que je peux le terminer. Ah, la fiche. Bon, c'est pas grave. Voilà, ça. Et donc ça c'est de la fiche et des vitres pare-balles. Il y avait un autre propulseur, je crois que j'ai pas pu le terminer, mais à moins que. Ah, j'en ai d'autres aussi ici, ok. Donc là c'était quoi? Affiche vitre pare-balles, ok. Tac, alors.
Grand tube, je pense que j'ai pas besoin. Le reste, on va garder. Et je vais mettre encore quelques ordinateurs. Ok. Alors, un petit peu d'ordinateur, un peu de ça. Un peu de ça. Je vais t'en prendre 50. Je crois qu'il m'en fallait 60. J'en ai mis 10. Ça, c'est bon. Des affiches, il m'en faut juste un. Tac. Un. Et ça, petit tube. Plaque d'intérieur. Ouais, voilà, je pense que c'est bon. Affiche. Oh! Affiche, il m'en fallait 8. Ah, zut alors. Je pensais qu'il m'en fallait juste un. Affiche. Tac, tac, tac. Ok. Merci. Lol. Affiche. Hop. Non. 7. Ok. Voilà. C'est dommage parce que je voulais commencer déjà le vaisseau. Et c'est vrai que j'avais pas encore fait ça de fait. Donc je suis obligé de commencer par ça. Tac. Là il y a quoi? Un autre convoyeur. Voilà, ça je peux déjà commencer. Composant. Tac. Alors. Ok, des petits tubes encore, faut en récupérer. Voilà. Ça. Le reste, ça va. Voilà. Ça devrait être bon. Je devrais avoir assez. Tac. Ouais. C'est ce truc-là qui va me prendre énormément de ressources. Voilà. Alors, des grilles métalliques, des affiches, des plaques d'intérieur. Ok. Alors. Tac. Donc, affiche, je vais t'en prendre 100. Plaque d'intérieur, je vais t'en prendre 400. Des grilles, je vais t'en prendre 72. Ah, j'ai encore des frises, c'est très embêtant. Mais ça, je pense que c'est bon, c'est le jeu, je pense. Ou c'est mon PC qui a du mal avec toutes les constructions. Mais je pense que c'est peut-être. En fait, c'est uniquement quand j'enregistre que ça me fait ça. Quand je joue, à la rigueur, ça va encore. Mais quand je registre, c'est pire. Donc je pense que c'est par rapport à la mémoire qui pompe beaucoup sur les trucs, je pense. Donc là, grand tube, superconducteur, composant. Je crois que c'est le composant de réacteur qui va être un petit peu chiant parce que j'ai pas les ressources pour encore. Alors, tac. Tac, tac. Alors, on avait dit quoi? On avait dit quoi? On avait dit donc composant de réacteur. Ouais, voilà. Je vais déjà prendre ça, mais. Ok. J'en aurais pas assez. Il m'en faut 2000. Donc, ça faudrait que j'en fasse. Superconducteur, grand tube. Ok. Tac. Alors. Super conducteur, c'est ça. Les grands tubes. Voilà, on va voir si je peux pas tout de suite bosser là-dessus. Alors. Non, c'est le A. Voilà. Et vous avez déjà bossé les plaques de fer. Ok.
Réacteur. Argent, il m'en faudra aussi. Je vais déjà le mettre en place. Et on va déjà voir après. Et plaque d'acier. Ça, j'ai tout mis, à part donc les composants de réacteur et les plaques d'acier. Voilà. Plaque d'acier, on va récupérer. Et je vais devoir récupérer donc ça ou ça pour commencer aussi à faire ça. Le grand générateur, à la rigueur, ça je peux le faire à la fin, c'est pas un problème. Ça c'est pas un problème. Donc on va prendre ça pour te mettre au moins toutes les plaques d'acier. Ok, alors il me manque quand même à peu près 80 plaques d'acier. Mais là, je vais en prendre 200. Et là, je vais. Ça, je vais garder. Je vais prendre un peu de ça. Un peu de ça. Voilà. Voilà, j'ai mis le reste. Maintenant. Donc, les soudeuses, c'est parti. Les soudeuses. Alors, il me faut beaucoup de plaques. Beaucoup de composants. Ouais, c'est tout. Beaucoup de composants, en fait. J'ai besoin de plus de composants. Non. Tac. Alors. Tac, tac, tac. Alors, un petit peu plus de composants quand même. Tac. Et. De l'ordinateur. Bon, j'ai pris beaucoup d'ordinateurs, mais c'est pas grave. Voilà. Ouais, c'est plus les plaques de composants qui partira très vite. Voilà. Bon, tout ça, ça va prendre un certain temps. Donc, ce que je vous propose, c'est que je fais une petite coupure et je vous reprendrai après quand j'aurai terminé tous les soudeuses. Donc, à tout de suite. Et re tout le monde. Alors, donc le vaisseau est pas construit pratiquement totalement quand même, à part bien sûr donc le générateur où il me faut des composants de réacteur. Il m'en faut 2000. J'en ai déjà mis 461. Le problème, c'est que j'ai pas les ressources pour. Alors, on va juste vite fait donc voir qu'est-ce qu'il me faudrait comme ressources pour les construire directement. Alors ça, production, ça tu peux. Tac. Ouais, toi t'es en train de me faire les composants, donc ça c'est bon. Donc composant de réacteur, il me faut de l'argent. Ok, donc on va voir où je peux en trouver. Alors, dans les coins, est-ce que j'en ai? Magnésium. Antenne, antenne, ouais, tout ça c'est des trucs d'antenne. Tac. Info. Non, GPS. Voilà. Alors. Il me faudrait. C'était quoi? C'était pas du platine, hein? Non, je crois pas que c'était du platine. Du silver, ouais, je crois que c'est. Le silver, je crois que c'est de l'or. Je crois que c'est de l'argent, donc je crois que c'est celui-ci. Et j'en ai que à 13 km. Ouais. J'aurais voulu en avoir un petit peu plus près quand même. Hein. Ça fait loin quand même. Hein. Du silver. Je crois que celui-là, c'est sur la planète. C'est ça le problème. Ouais, bon, c'est pas grave. On va aller donc dans celui-ci.
À 13 km. Alors, tac. À 13 km. Donc ça c'est du magnésium et le silver il est là-bas. Ok, d'ailleurs on voit donc l'astéroïde. Ok. Donc on va faire un petit tour en foreuse. Donc on va se déconnecter. Tac. Tac. Ouais, il me reste encore tout ça quand même. Ouais. Non, on va se reconnecter. On va se reconnecter pour que je puisse vider tout ça. Alors, assembleur, assembleur, assembleur. Tac, moi je te donne ça. Silicium. Là, t'as de la place. Oh, ça va, je peux tout enlever. Là, il n'y a plus de place. Petit conteneur. Ouais, même le petit conteneur côté ressources, il est déjà plein. Aïe, ouais, faudra que je remets encore un petit conteneur de stockage pour stocker d'autres ressources. Du fer. Alors. Tac. Doudoudou. Peux te mettre encore un peu là et après. Ouais, c'est après, c'est bon, ça devrait être bon. Je pense avoir tout enlevé. Ok, c'est bon. Alors. Allez, laisse-moi sortir de là. Voilà. Alors, on avait dit à 13 km. Tac, tac, tac. J'ai énormément de choses quand même. Faudrait que je voie pour trier un petit peu tout ça et que j'enlève des trucs que j'ai pas besoin. 13 km, c'est derrière. Tac. Voilà, 13 km. Ok. On va. Voilà. Les phares de derrière, en fait, les projecteurs de derrière, c'est pas terrible. Mais bon, c'est pas grave. Avant de partir, on va quand même sauvegarder. Pour pas avoir un problème. Et tout ça. Alors, j'ai toujours l'habitude de sauvegarder deux fois sur deux sauvegardes différents. Au cas où, si. Il y a une corruption dans la sauvegarde et que je peux plus la charger. Car ça m'est déjà arrivé plusieurs fois quand je faisais des let's play et que je perdais la sauvegarde. Et donc c'était pas facile. Alors du silver et puis du gold en même temps on prendra vu que c'est tout à côté. Le magnésium est un peu loin. Non, bah le magnésium est juste aussi à côté, donc on va aussi faire un tour là-dedans. Voilà, puis on fera déjà un bon stock de silver, gold et magnésium. Donc c'est très très bien. Voilà, et avec tous les projecteurs que j'ai mis, si là franchement je vois rien du tout. Et j'ai donc mon détecteur de minerai qui devrait marcher. Je l'ai mis dans la coque. Mais je pense qu'il peut quand même capter les minerais, je pense. De toute façon, on verra bien. Et je crois que cet astéroïde-là est proche de l'atmosphère de la planète. Donc j'aurai sûrement un petit peu de gravité. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait une sauvegarde au cas où si d'un coup j'arrive plus à sortir de la gravité, j'ai toujours une sauvegarde après. Voilà, je préfère. Ça serait con que je m'écrase. Des pierres dans les coins, mais ça va, ils étaient vachement loin. Alors, on va pouvoir commencer à freiner. Ça prend un certain temps. Voilà, donc je pense qu'on va, voilà, je vais juste,
vais juste miner et puis on s'arrêtera là pour cet épisode pour essayer de prendre les ressources que j'ai besoin. Tac. Peut-être pas même. On va juste faire le silver. Et on s'arrêtera là dans cet épisode-là. Moi, ce que je fais, c'est que je vais continuer à chercher des minerais. Parce que sinon, ça prendra trop longtemps pour chercher toutes les ressources que j'aurai besoin, je pense. À voir. À voir combien de temps ça va me prendre pour récupérer des ressources. Et après, je verrai bien. Alors. Voilà, gravité, je suis dans la gravité là. Donc faut que je fasse gaffe à pas trop prendre, sinon. Alors le silver il est là. On va passer en vide comme ça. Ouais non, je vois pas trop. Ok, le silver est juste là, donc normalement ça devrait aller. Je devrais avoir pas trop de problèmes à le récupérer. Tac, là je peux passer en vue comme ça. Et c'est parti, on attaque. Tac. Je veux pas faire trop de trous non plus, donc je recule un peu. Tac, voilà. Ok, vite fait. Alors, argent. Ok, je suis déjà à 103 kilos, 103 000 kilos d'argent, ce qui est pas mal. Ah, ok, c'est juste ce truc-là, c'est pas grave. On change de vue. Alors, ouais. On va ressortir un petit peu. Je vais descendre un petit peu. Voilà. Tac. C'est pas les lampes me servent pas à grand chose au-dessus, j'ai l'impression. Heureusement quand même que dans l'espace il y a quand même pas mal de ressources. Je vais juste sortir pour voir si j'ai perdu un peu de dommages. Surtout pour mes foreuses, mais j'ai pas l'impression. J'en suis à combien? 250. 252 000. Ok, j'ai récupéré un peu de fer. Ok, on va encore en récupérer. Oh, 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 oh. Je crois que j'ai épargné un truc. Lumière. Ah, j'ai perdu un peu. J'ai perdu un peu. Bon, c'est pas grave. Je vais quand même pouvoir récupérer. Je pense qu'avec les propulseurs qui me restent, je devrais pouvoir. De toute façon, c'est juste la coque qui a été détruite, je crois. Donc ça devrait aller. Mais faut que je fasse attention quand même.
Faut que je fasse quand même attention. Inventaire. Ouais, ça pourrait, ça devrait me suffire, je pense. Je vais reculer un petit peu. Sinon, je récupère jusqu'à 400. On va faire ça, on va récupérer jusqu'à 400 000 kilos et ça devrait être bon. Voilà, j'ai dépassé, c'est bon. Ok. Bon, et ben moi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Moi, comme j'ai dit, je vais continuer à miner ce que j'ai besoin. Donc là, l'argent, c'est bon. Je vais faire un tour dans le gold. Je vais aussi récupérer à peu près 300 à 400 kilos. Après, j'irai faire un tour dans le magnésium. Je vais aussi récupérer, si je peux, aux alentours de 300-400 kilos. 300, ouais, je pense que ça devrait suffire pour vraiment faire vraiment pas mal de stocks de ressources. Voilà, donc moi j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à aimer cet épisode. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Allez, à plus.